Ouais, c'est bien. Voilà. Ça suffit, c'est parti, c'est parti. Tu peux relâcher ton frein. D'accord ? D'accord. C'est cool, c'est bon. Pas de souci. Le dispositif MobShop est donc porté par l'association Varlin Pont Neuf. Au démarrage, c'était vraiment que de la mise à disposition de deux roues. Ensuite, sont venus s'ajouter la mise à disposition des quatre roues de voiture. Et puis, le module d'apprentissage aux deux roues. Donc, pour des jeunes en grande difficulté qui ont des problèmes d'insertion professionnelle et pour qui la mobilité est essentielle. Donc, pour acquérir soit une formation, soit un CDI, un CDD. On est sur le site donc, du Centre Loisirs Jeunesse qui nous met à disposition donc, son terrain pour pouvoir donc, effectuer avec nos jeunes ce module d'apprentissage. Alors, ce dispositif, il s'adresse surtout aux personnes en difficulté qui n'ont pas la possibilité financière de pouvoir se payer le permis. L'objectif ici, c'est que les personnes qui viennent faire du scooter, apprendre à faire du scooter, repartent en ayant l'autorisation de louer un scooter pour aller sur leur lieu de travail ou pour chercher du travail. C'est vraiment pour faciliter leur déplacement. Je suis venu essayer de m'apprendre à faire du deux roues. Ça nous permet après d'être plus autonome pour au moins pour nous rendre sur nos lieux de travail. Oui. Moi, je suis pour l'instant qu'à la mobylette. Je trouve que c'est bien, donc voilà, j'espère que je vais arriver à progresser pour aller sur le scooter. Allez, on tourne, n'aie pas peur. Le dispositif MobShop donc, est financé donc, à hauteur de 90 000 euros annuellement, dont une partie donc, sur des fonds sociaux européens, aux environ de 34 000 euros par an. Si l'aide du Fonds social européen donc, ne nous était plus allouée dans les années à venir, l'association aurait certainement des difficultés à trouver des financements ailleurs. Je suis suivie en ce moment par une conseillère PLI qui m'aide à chercher une formation et tout. Et comme je n'ai pas de moyens de locomotion, justement, j'apprends à faire le scooter pour pouvoir me déplacer tranquillement. Mais au début, pour la mobylette, c'était un peu dur, mais après, on prend bien la main. Donc ça va. Donc une fois que j'aurai passé le moniteur, j'envisage de louer un scooter dans le premier temps, et jusqu'à que j'ai mon propre scooter. Donc le module d'apprentissage de roues a pu accueillir donc, sur 2012 24 bénéficiaires. On a pu ensuite faire bénéficier justement certaines personnes de la mise à disposition des deux roues. On a actuellement environ une trentaine de scooters que l'on peut mettre à disposition des bénéficiaires. Donc ici, c'est vraiment un apprentissage. Et une fois que je pense qu'ils sont aptes à aller en pleine ville, et là, ça implique d'autres paramètres, c'est validé ensuite par un moniteur d'auto-école qui donne l'autorisation officielle, on va dire, de partir en ville et donc de louer dans les services de MobJob les scooters. Tranquille, pas trop vite. C'est serré là. Je l'ai serré encore plus exprès. Hein.